Time's been ticking, hearts are running. Think that Cupid's up to something. You ask me how I feel, I say nothing. But lately colors seem so bright, and the stars light up the night. My feet, they feel so light, I'm ignoring. Hey, salut tout le monde, c'est Zorano, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Nocturia Clan pour mon plus grand plaisir. Donc je m'excuse par avance pour la qualité du commentary parce que j'ai cassé mon micro, du coup je rec tout simplement avec mon PC, donc c'est possible que la qualité soit pas terrible, je m'en excuse. Donc si vous ne connaissez pas les potes, c'est normal, c'est parce que je suis nouveau dans la Nocturia Clan, je suis arrivé il y a une semaine à peu près environ. Donc moi c'est Sorano, je suis monteur vidéo et commentateur dans la performance depuis environ un an et demi. Donc pour ceux qui connaissent la Hexaclan, c'est moi le leader. Donc petite parenthèse, j'ai demandé à Nasty s'il pouvait mettre mon Twitter et la chaîne YouTube de la Hexaclan dans la description. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça, ça y sera. Donc les potes, le gameplay c'est une nucléaire sur la bêta de Black Ops 4 réalisée par Kairen. Donc sa chaîne YouTube ou son Twitter seront dans la description, n'hésitez pas à lui lâcher un petit GG dans les commentaires pour l'encourager. Donc les potes, aujourd'hui on va parler de la performance tout simplement. Est-ce que la performance a une chance de revenir sur Black Ops 4? Donc pour ceux qui sont dans la perf depuis un petit moment, depuis plus d'un an à peu près, vous avez connu l'époque où chaque jour il y avait des teams qui se créaient, deux jours après elles se stoppaient, tout le monde voulait avoir sa team perf à lui. C'était vraiment l'époque ancienne, voilà, la bonne époque. Il y avait énormément de team perf. Il y avait les trois grosses team perf pardon, qui dominaient. Donc c'était la Aria, la Awak et la Apex. C'était vraiment voilà, influenceuse des autres team perf. Mais maintenant, après, j'aurais tendance à dire que la performance, elle est morte, tout simplement. Parce qu'entre la Aria, bon, ben, ça fait un gros moment qu'ils ont stoppé, tout simplement. Les vidéos, qu'ils ont stoppé la team, etc. La Awak est stoppée pour le moment, ils font plus de vidéos depuis un peu plus d'un mois, si je dis pas de bêtises. La Apex, voilà, ils font plus de vidéos depuis un petit moment aussi. Alors je pense qu'ils reviendront sur Black Ops 4, mais voilà, c'est pas sûr après la grosse inactivité qu'ils ont eue. Donc voilà, maintenant, il y a presque plus d'activité dans la perf. Enfin voilà, avant il y avait des dizaines et des dizaines de grosses team perf de plus d'un cas. Maintenant, après, les team perf qui continuent les vidéos, etc., elles se comptent sur les doigts de la main. Voilà, c'est vraiment grave ce qui arrive à la performance, je trouve. Enfin, voilà, c'est vraiment décevant. Après, je pense que si Black Ops 4 marche bien, ça peut peut-être relancer un peu la performance. Et j'espère surtout que Black Ops 4 va être aimé de la communauté. Sinon, ça marquera peut-être la fin de la performance. Après, du côté de la Nocturia Clan, on fait assez bien nos vues pour l'instant, donc faut espérer que ça continue, voire peut-être que ça augmente. Donc ça nous fait extrêmement plaisir, en tout cas les potes, vous êtes assez actifs sur la chaîne, donc continuez comme ça, on vous remercie. Après, Treyarch ne nous a jamais déçus de ce côté-là, ils ont été assez à l'écoute de la communauté. Je pense vraiment que Blackout sera vraiment décisif pour l'avenir de la performance. Donc les potes, dites-moi vraiment ce que vous pensez de l'avenir de la performance dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que tout simplement la performance est stoppée, qu'il n'y a pas trop d'activité, pardon, mais que la performance va reprendre, tout simplement que plein de teams vont come back, ou tout simplement est-ce que la performance est morte, est-ce que les teams continueront à ne plus faire de vues sur Black Ops 4, etc. Ça nous intéresserait vraiment d'avoir votre avis. Donc on regardera tous les commentaires, donc merci à ceux qui laissent des commentaires, ça nous intéresse vraiment d'avoir votre avis. Donc sur ce les potes, on arrive à la fin de la vidéo, donc si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne de la Nocturia Clan, à lâcher votre plus gros like les potes, et surtout activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes nos nouvelles vidéos. C'était Sorano, bye tout le monde. And I'm the Duchess, and your blunts are always loose, so I'm in charge of rolling Dutches. And we getting so high, we always get the munchies. And we go for early brunches that turn into late lunches. And we ain't got a label, we're just rolling with the punches. I make fun of your belly and tell you to do some crunches. And you say, yeah, well, your ass jiggles, go and do some lunges. I say, fuck you, while I'm thinking of